Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, petit podcast très simple pour vous montrer une petite nouveauté sur le blog qui est pour moi une belle amélioration. Comment se passer d'iTunes pour les podcasts? Alors, comment se passer d'iTunes pour les podcasts et pourquoi surtout? Initialement, vous le savez, à chaque fois qu'on migre de serveur, iTunes a un petit souci, voire même un gros, c'est-à-dire qu'il se fie à l'adresse IP du serveur et non pas au nom, au DNS auquel qui pointe donc vers un nom de domaine. C'est-à-dire que mon podcast est hébergé sur podcast.locan.fr/xml/le fichier XML. Et donc iTunes ne se fie pas à podcast.locan.fr, il se fie à l'adresse IP du serveur. Donc même si je migre mon podcast du serveur A vers le serveur B, donc les DNS vont migrer aussi, donc le nom de domaine ne sera plus et les fichiers ne seront plus sur le A mais sur le B, iTunes lui s'en fout, il continue à aller chercher les trucs sur le A. Alors taillez plus pour personne, hein. Vous allez sur votre navigateur, ça vient toujours chercher les fichiers sur le serveur B après migration. iTunes non. iTunes, il faut savoir aussi que ça fonctionne. Il faut savoir aussi comment ça fonctionne plutôt. C'est-à-dire que c'est juste un annuaire de podcasts. Tous les podcasts sont stockés chez vous, sur votre serveur, sur ce que vous voulez. Mais iTunes ne stocke rien. C'est juste un agrégateur de flux RSS, plus ou moins pour simplifier. C'est-à-dire que vous lui soumettez votre flux RSS. Quand vous proposez un nouveau podcast, iTunes va rafraîchir ce flux RSS. L'iTunes Store, attention. L'iTunes Store va rafraîchir ce flux RSS et dire, hop, il y a un nouveau truc. Et le logiciel iTunes le retélécharge. Donc en gros, c'est comme la Redoute. C'est un gros catalogue de podcast uniquement, c'est tout. Et ensuite, une fois que vous avez cliqué sur s'abonner dans un podcast, comme mon podcast par exemple, vous cliquez sur vous abonner et là, il oublie le store et il met en relation directement votre partie podcast de iTunes avec mon fichier à moi, podcast.locan.fr. Donc, dans cette optique-là, pour éviter tous les soucis plus tard et pour surtout permettre à ceux qui n'ont pas iTunes, parce qu'il y en a des lecteurs parmi vous qui sont sur Linux ou qui ne veulent tout simplement pas avoir iTunes, j'ai fait une petite modification sur le blog suite à la migration. Donc, on est ici sur notre petit blog, taratadan, et ici vous descendez et vous arrivez à mes liens, le podcast iTunes, d'accord? Donc, il faudra que je refasse le logo. Et si on clique dessus, ça nous amène sur podcast.locan.fr/podcast.xml. Qu'est-ce que c'est ce podcast.locan.fr/podcast.xml? C'est tout simplement là que se trouve tout mon podcast en fait. C'est le fichier podcast.xml, c'est le flux RSS, allez pour simplifier. Et donc ici vous avez tous les derniers podcasts, donc tirage au sort du concours Skinizy, et vous avez, où est ma souris, ici. Donc si vous cliquez là, en bas vous voyez, ça va lancer podcast.locan tirage au sort du concours Skinizy.m4v. Donc si vous cliquez ici, clac, ça va vous télécharger le fichier, le podcast directement sur votre disque dur. Maintenant si vous utilisez un vrai navigateur comme Firefox par exemple, j'ai la bouche qui bégaye un petit peu, c'est parce que je sors du boulot. Vous faites donc, il va vous proposer d'ouvrir ce fichier vidéo, puisque c'est un podcast vidéo avec iTunes, vous faites s'abonner maintenant, et là, cocorico, il va vous lancer iTunes tout simplement, et c'est comme si vous étiez abonné par l'iTunes Store, sauf que là, le jour où moi je migre mon podcast, et bien iTunes Store ne merdera plus, puisque ça sera cette adresse-là qui sera cherchée, et non pas l'adresse IP, l'adresse par laquelle vous vous serez abonné via l'iTunes Store. C'est déjà un gros plus. Et ensuite, ça permettra surtout aux personnes qui ont on va se regarder un petit peu dans les yeux. Et ensuite, ça permettra, comme je vous disais, aux personnes qui sont sur Linux, etc., de pouvoir s'abonner où ils veulent. Ensuite, ce petit lien-là, il est trop bien quand on est sur un iPhone, je vous montre. On vient donc sur ce petit iPhone. On va aller sur Safari. Alors, quelle est la dernière page ouverte? Locan.fr, ok, pas de souci. Donc, on va faire « Nouveau ». Et là, vous venez dans l'URL et vous tapez « podcast.locan.fr », etc. C'est ce que j'ai fait. Accéder, pam, et là, oh magie, vous êtes redirigé vers un reader.mac.com/mobile/je-sais-pas-quoi. C'est tout simplement une version mobile de lecture du podcast. Donc si vous êtes ici le podcast de Locan, vous cliquez sur tirage au sort du concours, ça vous affiche ceci, vous avez un petit QuickTime, vous cliquez sur QuickTime, taran taran taran, et vous avez directement accès au podcast. C'est tip top quand même. Donc voilà, tout simplement, ça vous permettra, si vous êtes déjà abonné à iTunes, restez-y, ou enfin, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi supprimer les anciens podcasts, je doute que vous les archiviez tous. Et si c'est le cas, c'est grave, parce qu'ils sont quand même tous sur Dailymotion, YouTube, etc. Donc, vous pouvez vous abonner via ce petit truc. Et donc maintenant, le lien ne sera plus le podcast iTunes, mais le podcast vidéo ou le podcast tout court, puisqu'il redirigera vers ce lien. Les gens qui surfent avec Safari, etc., j'ai pas encore trouvé la magouille pour le faire. Enfin, parce que tout simplement, j'ai configuré Safari pour qu'il m'ouvre les fichiers RSS directement dans NetUseWear. Donc, il doit y avoir moyen de chunter le truc, etc. Honnêtement, j'ai pas regardé, puisque Safari, vous le savez,
Pour moi, ça vaut pas trop le coup comme navigateur. Donc, avec Firefox, ça fonctionne toujours. C'était juste pour vous dire ça. Passez une bonne journée. Moi, je mange et je file au boulot. Ciao, ciao!